La carrière dans les médias de Benjamin Duhamel prend un joli tournant pour cette rentrée 2023. Ce jeudi 31 août, le journaliste a fait part de son enthousiasme lors de la conférence de BFM TV alors qu'il venait d'obtenir de nouvelles responsabilités au sein de la chaîne d'information en continu. Le jeune homme de 28 ans a expliqué qu'il serait à la tête du nouveau rendez-vous du dimanche soir, en reconnaissant être un peu angoissé, mais très fier aussi de pouvoir innover. Son programme, qui se veut un grand rendez-vous d'actualité, sera baptisé C'est pas tous les jours dimanche. Il y aura, bien sûr, de la politique, mais pas que. On parlera des sujets de société. On fera des pas de côté. Il y aura un grand invité, qui pourra nous donner les clés de ce qui est en train de se passer et ce qui compte pour le quotidien des Français, a déclaré le fils de Nathalie Saint-Cricq et de Patrice Duhamel, deux personnalités emblématiques des médias, en révélant qu'il recevrait notamment Alexandre Bompard, le directeur général de Carrefour. Le journaliste promet donc des débats avec les meilleurs experts, entre autres. Un journaliste qui est le digne héritier de ses parents, je suis très excité à l'idée de commencer ça, à 19h. Ce sera, le duel du dimanche. Il y aura des personnalités que vous connaissez et qu'on va mettre face à face pendant une heure, a détaillé notre confrère, qui donne des exemples. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, Robert Ménard, le maire de Béziers, Cécile Duflot, l'ancienne ministre écologiste, et quelques petites surprises que l'on va égrener, vous allez découvrir ça au cours du mois de septembre. Promet Benjamin Duhamel, visiblement ravi de prendre du galon à l'antenne de BFM TV. De quoi prouver que le journaliste a bel et bien hérité de l'ambition et du talent de ses deux parents, à seulement 28 ans, 6 ans après l'obtention de son master en politique publique et 4 ans après son arrivée sur la chaîne d'information en continu. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran BFM TV. Just me.